Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Dead Space 2 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Allons-y mon turbo, on continue notre aventure ensemble. Tu es l'eau, tu es. Okay, qu'est-ce qui se passe? Là. Là. Bon. Faire de la place. Je vais attendre un peu. Jusqu'à date, j'ai tout le temps trouvé du stuff. En parlant de stuff. Thank you.
Tabarnak. À la péter. J'aurais dû backer, est-ce-tu? Les enfants, ils vont vraiment trop fort sur les terrains. Hier, mon bureau n'a pas pu accueillir tous ceux qui présentaient des blessures. Certains semblaient être trop amochés pour notre modeste infirmerie. Je suis peut-être vieux jeu, mais les enfants ne devraient pas grandir sur une station spatiale à l'air pur. Les grands espaces, c'est quand même autre chose. Ici, ils deviennent à moitié fous et se mettent sur la gueule. L'espace n'est pas propice à l'esprit de famille, à mon avis.
sauvegarde. On est rendu à l'épisode 6. Oh, de la vie. Liste des chemins. Moi maintenant. Oh, allez, Rémi. Yeah.
Ah, donne-moi du stuff. Tu vois-tu que j'ai bien fait de tout défaire les corps, là? Pourquoi? Parce que le monstre a des flats en des remplis, là. Ça, ça aurait été les mettre en vie en attendant. Mais là, il n'y avait personne à mettre en vie, fait amener sur moi direct. Oh, regarde ça aussi. C'est bizarre les casiers dans le gym. Rapport de classe 3e. Je sais que les enfants ont une imagination débordante, mais cela devient préoccupant. La moitié de mes élèves ont un ami imaginaire et prétendent qu'il s'agit d'un de leurs grands-parents décédés. Ce genre d'histoire ne pose pas de problème si ces enfants arrivaient encore à se concentrer. Ce semestre, j'ai dû envoyer plus d'élèves au piquet que lors des 12 dernières années. Ces enfants ont peut-être des problèmes familiaux. J'ai également remarqué une baisse d'implication de la part des parents. Un lance-flamme. $1000. On est rendu à 64 000. Qu'elle a trouvé, par exemple, c'est l'affaire. Survivant. Vous vous connaissez à entendre ce qu'il raconte. Isaac, j'ai dit pas bouger. Ellie, pas de panique. Il s'appelle Strauss. Je le connais. Il a l'air folle dingue. Ne t'en pas. Tu restes tranquille. Ellie, j'ai besoin de lui vivant. C'est important.
Merde. Ok, Isaac. L'emmène au transport, mais qu'il fasse un geste suspect, un seul. Et je le désingue. J'ai de balles. 75, 80, 90, 100, 102, 126, 130. Vérifier que je suis rendu à... Je suis toujours à épisode 6. C'était l'enfer pour survivre. Je me suis déjà enfui ce matin de cette installation de la compagnie. Tu bosses à la CEC ? Pilote de classe 4, engin lourd. Et toi ? Ingénieur. Geek. Logique. Merde. C'est noir. Il me voit dans le noir. La ferme, ça ira. Si je fais beaucoup plus attention aussi. Non. Merde. J'avoue, les systèmes vitaux sont coupés. C'est pas bon. Nos deux derniers évadés, Clark et Strauss. Ce n'était qu'une question de temps avant que vous n'aviez à la centrale ensemble. Mais hélas, le train ne circule plus. Vous êtes malade? Vous avez coupé tous les systèmes. Et il y a peut-être d'autres survivants. Le secteur public n'est plus récupérable depuis longtemps déjà. Vous l'avez fait. Au revoir, Clark. Oh putain, Isaac! Fais gaffe! Ils vont droit vers toi! Mais t'as arraché la tête. Nice. Acheter une nouvelle tenue de stock à moins d'aventure. Oh, yes.
Et ça dure pas assez longtemps. Ouais, faudrait... c'est peut-être dans des moments de même que je devrais peut-être investir dans un gun. Oh, il a gelé, tabarnak. Oh, je tire pas sur la bonne. Calisse. Ah ouais, c'est ça. C'est Rémi, tabarnak. Pour l'instant. Pourquoi Feldman a coupé le courant? Comment fallait couper pour ces deux jambes. Ellie, tu sais ce qu'est un monolithe? Ouais. Les unitologues de l'équipe étaient obsédés par ce truc-là. Pourquoi il existe vraiment? Oui, il existe. Feldman l'a construit d'après les codes emmagasinés dans ma tête et celle de Strauss. Tout ce qui est sur cette station, c'est la faute de ce monolithe. Je dois le trouver et le détruire. Et j'ai besoin de Strauss pour y arriver. T'es bizarre comme mec, Jack. Tu m'aides, oui ou non? On est sur le point d'étouffer. Alors, ouais, tu ferais mieux. Ok, super. Bon, il nous faut du courant. Sinon, pas de train et pas d'oxygène. La Méduse doit bien avoir des générateurs d'urgence. Oui. Elle a un complexe solaire. Mais ça fait des années qu'il a pas servi. Ok, très bien. Alors, je me rends là. Je vais voir si je peux les activer pour le train. D'accord, mais t'auras besoin de quelqu'un pour ouvrir les panneaux. Je sais faire ça. Bon, on vérifie faire ceux qui restent à rien. Mettre du jaune sur les bras, mais faut pas tirer ses bras en tout. C'est un niaisage. Ah!
Bon. Sais-tu que j'ai jamais pensé à tirer sur leur leur tige, eux autres? Ça, je m'ennuyais pas de ceux-là. Allô? Sauve moins plus de balles. Ellie, comment va-t-il? Épisode 7. Putain, ferme-la. On doit t'entendre dans tous les blocs. Cet idiot va nous faire repérer. Ellie, essaie de le calmer. Je dois savoir ce qu'il essaie de me dire. Supposé de mon CSP, c'est ça. Sélectionner un objet Y pour retirer tous les points, c'est-à-dire. Ah, ok. Non, je suis correct. Ah non. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû venir en bas puis continuer le chemin par là. Niaisage. Puis gaspiller un point pour rien. On a des guns qui vendent, ils vendent un lance-flamme, le fusil chercheur, fusil de précision évolué. Ah, c'est le même gun que j'ai, mais mieux. Tire à distance, activer le zoom, bof. Outil de déploiement de mines, découpeur que j'ai jamais utilisé dans aucun jeu, puis ça c'est le fusil d'assaut. Tant que j'ai pas besoin d'armes, on va y aller de vers l'avant. On gaspillera pas de l'argent pour rien.
J'ai déconnecté les rails. Demande de réparation émise. Ellie, je me suis fait avoir. La capsule qui mène au complexe solaire a l'air de flotter au fond de la cage d'ascenseur. Sans déconner. T'en fais pas, je peux gérer. Je vais sortir jeter un coup d'œil. C'est pour le trouver. C'est des cartes qui traînent. Ça, je fouille partout. Tirez sur le bout rouge pour déplacer l'objet. Tirez comme avec un gun. Lame découpeur. Ça me permet de faire des lames, ça. C'est ça que je viens de pogner, c'est d'affaires comme ça. Ok, faut que je tire là-dessus, ça va monter. Je viens de vérifier s'il n'y a pas d'autre chose que j'ai besoin avant. Ah, il y a quelque chose de caché là.
On est rendu haut là. Oh, ça tourne. J'ai pas de vie. C'est à moi d'être plus vite. C'est que je pensais qu'il y en avait 1, 2, 3. Je pense pas qu'il y en avait 12. Ça sert à rien de les geler non plus. Au pire, je peux peut-être m'en acheter, mais je vais l'essayer de nouveau. J'étais en train de regarder la vue, puis là, je m'ai fait surprendre un peu. Je l'avais presque.
Bon. Système d'alarme était slow, hein, mais ça me semble une vitre qui casse en espace. Thank you. L'oiseau est vivant. Le gardien Howard Phillips vous rejoindra d'ici quelques instants. Je veux rentrer chez moi. L'intelligence artificielle dit qu'elle n'a pas reçu de réponse de ma demande de transfert. Alors que c'est la cinquième demande, et aucune personne ne les reçoit, personne ne les lit. J'ai un peu honte de l'admettre, mais la solitude ici est plus difficile que prévu. Ça commence à m'atteindre. Bonne nouvelle malgré tout, l'IA aurait autorisé ma demande de livraison. Elle doit arriver aujourd'hui. J'ai quand même un doute. Ça fait tellement longtemps que j'attends, difficile de croire qu'ils vont autoriser mes oiseaux ici. On verra bien ce soir. Ça a pris beaucoup de balles, ça. Quoi, un méga?
Accélérateur de gravité portable. Charge tikinédique concentrée sur les courtes portées. Fine poche. Format pour le bas. Vos rigs ne sont pas autorisés dans la zone. Éloignez-vous de la porte. Comment je suis posé faire? C'est bien lui que je viens de mettre en morceaux, là? Là où sa tête? Ok, je l'ai mis en morceaux. Ah, il est là. Par rapport à sa tête, il n'y a plus de tête. Ha 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 ha! Tabarnak, hein? Bye. Joue pas de bras.
J'essaie de rester hors de portée de l'IA. Je ne supporte plus ces excuses au sujet de mes demandes. Toujours les mêmes conneries, langage informaté. 23 requêtes envoyées, il y a une seule réponse. Elle m'en... C'est sûr, elle ne les a jamais transférées. Je lui ai montré ce que j'en pense. Ce midi, j'ai laissé tous mes oiseaux en liberté. C'était splendide. Ils volaient tous libres et heureux. J'aimerais tant être comme eux. L'IA possède pas de répète mécanique, forme de vie inconnue, rien à foutre. J'ai dansé avec eux toute la journée. Je les adore. Je veux rentrer. Attention, gardien Howard Phillips. Mouvement non autorisé de l'ascenseur d'accès. Répondez. Oh, juste à temps. C'est pas la grille qui était là. J'en ai vu un autre. Il m'en manque deux autres, puis je peux l'avoir au complet. En passant, je n'en avais pas gaspillé un parce que j'ai vu que ça faisait pas le tour de droite à gauche. Donc j'aurais eu pas le choix de toute façon. Je sais où vous
assez longtemps pour établir l'énergie. Les accès au siège du gouvernement sont surveillés. Arrêtez, Clark. Tabarnak. De l'énergie pour une niaiserie, ça me tombe ses nerfs. Il m'en manque encore deux. Ben, je peux arrêter dans une vingtaine de minutes. Toi, tu voulais t'arrêter ou quoi? Même chose pour moi, c'est ça. Visiteur non autorisé. Cher IA, ici directeur Dillman. Désactivez le complexe solaire immédiatement. Verrouillage activé. Activation du verrouillage. Désolé, Clark. Je sais ce que vous essayez de faire. Mais c'est absolument hors de question. L'enjeu est trop important. Visiteur non autorisé. Thank you.
L'accès non autorisé au serveur central est une violation du code civil de Titan. Replacez les panneaux et éloignez-vous des commandes. Non autorisé. Non autorisé. C'est là à gauche pareil. Non autorisé. Ce que je n'ai pas fait. Comment faut que je retourne dans cette salle-là? Il y en a là, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Ça, je pense, ça contrôle peut-être les pas.
Détecteur non autorisé. J'entends pas. Visiteur non autorisé. Je vérifie une dernière fois, sinon je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là. Non autorisé. C'est lui, regarde, tu vois, il y a une affaire rouge, c'est en haut. En face. Exactement ce que je l'ai mis. Oh! Ah, il y en avait un autre. Je suis niaiseux. Observe, caribou, observe! Visiteur non. C'est une chance sur deux, je le manque. École, esti. Visiteur non autorisé. Thank you.
Là, c'est une salle secrète. Passe en mode manuel uniquement. Désolé, Dave, qu'est-ce qu'il dit? Non, lâchez cette seringue. Je veux pas que ça recommence. Laissez-moi. Ouais, je m'en vais. J'ai besoin de toi. Strauss, qu'est-ce qu'il y a? Ellie. Thank you.
je l'avais, tabarnak! Je fais slow là-dessus. Ah, j'ai slow. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Dead Space 2 live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!